On va où? On va au karaoké. Faire quoi? On a des tables en fait. On a des trois tables. On va faire un karaoké, donc voilà, on va devoir chanter. En quelle occasion? À l'occasion de deux anniversaires concomitants. Celui de Charlotte. Bien. Je pense qu'on va pousser la chansonnette. Hein? Ça a l'air fun. J'étais à 16h. Toi aussi? Ouais. Mais non, je te jure. Moi aussi 16h. Mec, c'est incroyable. C'est merci. Dingue. Tous les deux en avril 94 à 16h. C'est incroyable, c'est énorme ce qui se passe. Ça rigole là-bas, c'est incroyable. Thank you.
always gonna be you right, I'm wrong, you right. It's gonna be 50-50-70. On va graffer un petit shaker de whey pour le matin. J'ai nettoyé mon shaker parce que clairement, quand tu laisses de l'eau dedans à traîner pendant quelques heures au bout d'un moment, genre, c'est genre grave dégueulasse. Petit nettoyage. Et vu que je suis pas sûre, non, en ce moment j'ai mis ma whey dedans parce que je vais pas prendre le gros pot. Être un peu compliqué, genre à transporter. Donc la whey que j'ai, c'est une whey gainer, ce qui me permet de faire une prise de masse. Du coup, je mets une petite dosette dans le fond, de l'eau froide. Ok, bon, l'eau est chaude, même si je mets sur froide, donc je mettrai de l'eau après. Non, mais à quel moment, quand tu vas sur l'eau froide, il n'y a que du chaud qui sort? Petit shaker qui vient de fitness boutique, parce que celui que j'avais avant, pareil, il y a de l'eau qui est restée pendant archi longtemps dedans, du coup, genre, il est un peu moisi. Du coup, j'en ai acheté un autre et il va falloir que je fasse gaffe les prochaines fois parce que je vais pas m'amuser à racheter des shakers tous les 4 matins. Bon, je crois que l'eau froide est revenue, donc on va y foutre de l'eau. Moi, j'ai pris saveur vanille parce que clairement, chocolat aux fraises, faut pas déconner, mais c'est un peu dégueulasse, quoi. Déjà, je trouve que vanille, c'est plutôt limite. Donc, du coup, quand je suis en... Un jour où je veux faire de la muscu, je prends ça 3 fois par jour, donc matin, midi et soir. J'en prends ni avant la salle, ni après. Et je prends au moment du dessert. Je prends toujours en fin de repas. Quand je fais du coup de la muscu, et aussi tous les jours, je prends des BCAA, j'en prends 5. Donc sur, par exemple, je sais pas, tu peux, soit tu prends les 5 au début, soit tu fais 2 et 3, enfin comme tu veux. Il faut que tu répartisses entre 1 heure avant la salle et 1 heure après la salle. Ou si tu prends les 5 d'un coup, c'est 1 heure minimum avant, quand tu prends ta dose de 5 tous les jours. Et en vrai, ça fonctionne de ouf parce que moi, j'ai réussi à augmenter mes poids au squat, alors que je pensais pas du tout, enfin, je pensais pas que ça aurait été, disons, aussi rapide. On va pas se mentir, mais la whey, c'est dégueulasse. Ça a un goût. Et en plus, j'ai fait un petit achat. Je me suis acheté des genouillères parce que, clairement, vu que je commence à soulever du poids, il faut absolument que je protège mes... Il faut absolument que je protège mes genoux, que ça claque pas. Et du coup, j'ai pris ça. Ça, c'était par pack de vue, j'avais acheté à la fitness boutique aussi à Nantes. Et j'ai pris une taille L parce que la M, j'arrivais même pas à le mettre. Et je trouve que ça maintient bien et ça permet genre une meilleure stabilisation. En vrai, faut vraiment que je me bouge le cul à reprendre les vidéos. Parce que ça fait genre grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bah en fait ça manque un peu de filmer tout le temps. Et de faire des petites vidéos, des petits vlogs. Du coup je pense que je vais essayer de reprendre ça à max. Sachant que là je suis en vacances et que je taffe plus. Voilà, rangement de la valise. En vrai, le plus dur quand tu commences à prendre des shakers, c'est de boire ça sur un temps record, tu vois. Boire 1 litre d'eau ou la moitié d'un litre d'eau en, je sais pas, peut-être 20 minutes, sortez leur mode. Ah ouais. Fait grave beau. Fait pas très beau, mais il y a une bonne lumière, donc ça va. Il faut que je descende tout ça en bas. Ce sera genre plus rangé, tu vois. Je crois que ça va partir sur une petite
des centres de poubelles aussi, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, vous me suiviez dans mon petit quotidien. Bon. Prenons les clés, parce que clairement, flemme d'être enfermé dehors. Fasse mes scénarios aussi pour les prochains courts-métrages. Et d'ailleurs, en plus, il faut que j'investisse dans une caméra là, parce que en fait, genre, ça me fait un peu chier de vlogger avec le gros appareil photo parce que c'est hyper lourd, c'est chiant. En plus, il me faut de la lumière et il me faut un micro. Et je pense que je vais devoir acheter un soit un Sony, soit un Canon. Bon, bref, faudrait que je regarde. Faut que j'investisse dans un compact. Je me tâte du coup à vendre cet appareil photo là ou pas, parce que franchement, il est vraiment vraiment bien et la qualité est ouf.